Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour aller porter du fruit. J'ai été en Haïti, c'est vraiment un pas de foi que j'ai fait pour y aller, puis je n'ai pas regretté. La Bible nous dit que Dieu, c'est le père des orphelins, c'est le père des pauvres, c'est le père des veuves. C'est celui qui prend soin des opprimés, c'est celui qui défend la cause des opprimés. Tout le monde peut participer à la mission. Décembre 2015, nous sommes partis en Haïti ensemble pour aller célébrer Noël avec nos partenaires, Récréation Haïti, l'équipe Impact, l'église Eau Vivante et l'école de Fortamara. Donc vraiment des moments marquants pour nous. Et moi, quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est la journée où on est parti en 4x4. On a monté la montagne de Duvier, puis là on se promenait dans les chemins rocailleux. Puis même, il a fallu même à un moment donné quitter le 4x4, s'en aller dans un petit sentier. Là, on marchait comme pratiquement à l'époque de Jésus, de village en village. Et puis, on a pu rentrer dans l'intimité des maisons des enfants parrainés pour leur remettre un cadeau. Puis ce qui était impressionnant, c'était la joie dans leurs yeux. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est lorsqu'on est allé rendre visite à Bitcherlin. Bitcherlin, c'est une petite fille de 10 ans. Que moi et Michel, on a décidé de parrainer. Pour moi, ces choses-là viennent vraiment changer mon caractère, viennent vraiment me donner une autre façon de voir la vie chrétienne. De voir premièrement la générosité, que ce soit de l'Église, le portail, le Centre Chrétien Héritage, des amis, de la parenté qui nous ont donné des bas de Noël pour les enfants. À chaque fois que j'avais la chance de donner un cadeau à un enfant, j'étais touchée par leur sourire, touchée par leur anticipation, leur joie. Et à un certain moment donné, j'ai vraiment dû dire à Dieu, « Dieu, permets-moi de ne jamais, jamais m'habituer à des moments comme ceci. » C'est des moments précieux. On a amené au moins 100 à 110 ballons de soccer en Haïti, des uniformes qu'on a donnés aux enfants. Mm-hmm. Puis ça, je trouve que c'est vraiment bon et que les enfants ont vraiment aimé ça. Qu'est-ce qui est fascinant, qu'est-ce qui m'a vraiment comme déroutée, c'est que même les plus démunis ont à cœur de donner en guise de reconnaissance. On a pu participer à des formations, échanger avec ces leaders-là sur leur réalité et on a été marqués. Pour les gens de la communauté et puis même pour ses parents, Bitcherlin ne vaut peut-être pas tellement la peine. Mais pour Dieu, sa vie compte. Alors merci. Merci d'avoir cru en ce voyage, merci d'avoir donné, merci d'avoir investi temps, argent, prière. Mais on vous dit, on continue ensemble. On continue ensemble. Noël Haïti en chiffres, c'est 225 sacs distribués par l'église de Portail, c'est une centaine distribués par Madame Barbara Gagné, 51 sacs par l'église Centre Chrétien Héritage à Prévost, une dizaine de particuliers. Au niveau de l'envoi par cargo, 15 boîtes ont été envoyées par cargo dans laquelle il y avait sacs de Noël encore, ballons de soccer et articles vestimentaires, deux grosses boîtes par cargo où il y avait plusieurs items pour la vente de garage et pour les familles. Bagages de l'équipe, ils étaient quatre personnes, donc merci à Manouchka, Jean-Marc, Michel et Linda qui sont partis avec 250 kilos de stock avec eux dans la soute à bagages. Alors merci à vous, à tous ceux et sous-sols qui ont contribué, merci à chaque personne, merci au Seigneur qui était dans ce projet-là, qui a ramené l'équipe en bonne santé. J'aimerais qu'on puisse acclamer encore une fois tout ce que Dieu fait au milieu de nous. Le prochain voyage à Haïti, éventuellement au lieu de le faire au mois de mai, on prévoit de le faire au mois de juin, 22-29 juin, on va y revenir à la fin de la réunion. On est dans les voyages, il y a, vous connaissez pour la plupart d'entre vous, Elisabeth Lecavalier qui est impliquée avec Pouvoir de changer, donc qui consiste à visiter et œuvrer au sein des campus universitaires des jeunes évidemment, pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus, où il y a une formation et elle s'apprête avec son équipe à partir en voyage du 1er mai au 9 juin
maintenant à Paris avec pouvoir de changer. Donc, un voyage qui coûte 2 500 $. Si vous désirez en savoir plus, vous désirez la soutenir, donc que ce soit financièrement, spirituellement, on vous invite à la rejoindre, donc à aller la voir à la fin de la réunion. Elle travaille très, très fort, donc elle sera très encouragée d'avoir votre soutien. Donc, tout ça pour dire que c'est beau de voir chaque personne là où est-ce qu'elle se trouve en fonction de ses talents, de son appel, etc., de toucher des vies parce que chaque vie compte pour Dieu. Chaque vie compte pour Dieu. Chacun d'entre vous, chacune d'entre nous, nous comptons pour Dieu. Nous sommes là pour les autres. Je vous invite à ouvrir dans vos Bibles ou simplement à suivre sur les écrans dans l'Évangile de Luc au chapitre 18. Nous allons lire à partir de versets 35 à 43. Je commence. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit à louer Dieu. Cet aveugle, on le sait parce qu'on le mentionne dans l'évangile de Marc, s'appellerait Bartimée. Cet aveugle avait une certaine connaissance de qui était Jésus parce que lorsqu'il entend le bruit, il demande qu'est-ce qui se passe, on lui dit c'est Jésus de Nazareth. Et là, il va préciser Jésus, fils de David. Donc, une certaine connaissance de qui est ce Jésus-là. Jésus n'est pas un parfait étranger, il en a quand même entendu parler. Mais cet aveugle me fait tellement penser à moi où il y a une époque où je savais que Jésus était le fils de Dieu. Mes parents me l'avaient enseigné. J'avais vu l'effet que Jésus a eu sur les vies qui m'entouraient, sur les situations qui l'entouraient. On ne peut pas voir Dieu comme on ne peut pas voir le vent. Mais on peut voir les effets du vent sur la nature. Et j'ai eu l'occasion de voir l'effet de Jésus sur les situations de vie et en général. Donc je connaissais, et je m'identifiais à cet aveugle où je connaissais en partie qui était ce Jésus, jusqu'au jour où, à un moment donné dans ma vie, j'ai crié à Dieu. Peut-être pas dans ces termes-là, c'est certainement pas dans ces termes « Aie pitié de moi, fils de David », mais où à un moment donné dans ma vie, j'ai dit « Seigneur, viens à mon secours, aide-moi, révèle-toi, dis-moi qui tu es réellement, est-ce que tu existes vraiment ?» Et là, il y a eu un moment où Dieu s'est révélé dans ma vie à travers Jésus. Et la présence de Jésus a eu l'effet d'une lumière qui est rentrée dans ma vie. Et ma vie a changé. D'une certaine façon, j'étais aveugle comme cet homme-là. Ma vie a complètement changé. Ma perception de mon environnement, ma perception des gens, ma perception de la vie, ma perception de qui je suis, ma perception de la mort, ma perception même des sujets d'actualité, des mauvaises nouvelles, a complètement changé. J'ai eu un regard nouveau sur tout ce qui m'entourait. Un voile s'est enlevé. J'ai compris qui était Jésus. J'ai compris beaucoup plus qu'est-ce que était la raison du monde dans lequel nous vivons. Et plusieurs d'entre nous pouvons nous identifier à cet aveugle, ou à un moment ou à un autre, nous avons découvert qui est Jésus. Et peut-être que certains d'entre vous, aujourd'hui, alors que vous m'entendez, que ce soit ici ou ailleurs, vous étiez avec la foule, dans le chemin avec Jésus, en train de marcher en direction de Jéricho. Mais peut-être qu'alors que vous m'entendez, peut-être que vous n'êtes plus dans ce chemin-là, mais vous êtes sur le bord du chemin, vous avez pris une débarque en bon québécois. Pour toutes sortes de raisons. Peut-être que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous venez ici ou ça fait quelque temps, mais tu n'as jamais pris la décision de dire, moi, je veux faire de Jésus le chemin sur lequel je veux marcher, le style de vie que je veux adopter pour ma vie personnelle. Et tu es tout le temps sur ce bord du chemin et tu entends des choses de ce que l'Église fait et de ce que Dieu est, de ce que Jésus est. J'aimerais t'inviter à crier après Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quelqu'un a dit que la maison dont les volets sont clos en plein jour est encore dans la nuit. La maison dont les volets sont clos en plein jour est encore dans la nuit. Il continue en disant, ce n'est pas la faute du soleil. Nous accusons Dieu de tous les maux de cette société, de ce que nous vivons dans notre vie. Bien souvent, on l'accuse trop souvent, alors que le problème principal vient de nos cœurs
qui sont hermétiquement fermées à la lumière de son amour pour nos vies. Parce que le soleil de sa présence, le soleil de son amour, sa lumière brille aujourd'hui dans ce lieu et dans notre génération encore. Alors je veux nous inviter à quiconque dans ce lieu, que tu aies pris une débarque, tu te trouves sur le bord du chemin ou que tu n'aies jamais embarqué dans le chemin, tu t'es jamais mis à travers du chemin de Jésus, je veux t'inviter à ouvrir les volets de ton cœur, les volets de tes pensées, les volets de tes émotions, les volets de ta volonté et dire « Seigneur, si tu existes, montre-le-moi ». Et j'aimerais qu'on puisse donner une main d'acclamation parce que cet aveugle, c'était nous et on est là pour Jésus, c'est grâce à lui. Jésus, on veut te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et rentre dans chaque vie qui aujourd'hui accepte d'ouvrir ses volets pour que tu viennes la visiter. Que veux-tu que je fasse pour toi? Aie pitié de moi, fils de David. OK, j'ai pitié de toi, mais sois plus précis. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vous pose la question, répondez-moi pas, mais commencez à y penser parce que dans quelques minutes, nous allons exposer au Seigneur ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, pour toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi aujourd'hui, dans ta vie, dans cette semaine, dans cette année? La question semble bizarre. Tu sais, que veux-tu que je fasse pour toi? Nous, on regarde ça avec le recul. Ben voyons, Jésus, il veut voir clair, là. Mais la réponse n'est pas si évidente. Parce que l'infirmité de cet homme le rendait socialement et financièrement vulnérable. Il ne pouvait pas gagner sa vie comme tout le monde. Son cercle d'amis devait être, s'il en avait, devait être assez restreint. Il aurait très bien pu dire, « Ben, j'aimerais ça avoir un toit sur ma tête. Donne-moi de la nourriture. Donne-moi de l'argent. » Et on sait, c'est connu qu'il y a des personnes qui préfèrent rester infirmes plutôt que de retourner sur le marché du travail afin de bénéficier des chèques d'invalidité que l'assurance verse à chaque mois. Il y a des personnes comme ça, elles préfèrent rester à la maison. Moi, j'ai mon chèque, puis c'est correct, je peux m'organiser avec un handicap quelconque. Cet homme aurait pu être dans cette situation. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. OK, on parle de cash. Si vous aviez tous les matins dans votre compte en banque, 86 400 $ que vous pouviez dépenser comme vous voulez durant toute la journée. 86 400 $ Et si tu ne dépenses pas toute la somme, c'est de l'argent perdu. Si tu en manques à la fin, tu ne peux pas demander une avance sur le jour suivant. Ce serait extraordinaire, non? Là, je vous vois un peu sceptique. C'est comme trop beau pour être vrai. C'est vrai, c'est trop beau pour être vrai. Mais ce serait extraordinaire. J'aimerais vous dire que nous sommes tous clients de cette banque-là. Elle se nomme le temps. Chaque jour, sur le compte de notre vie, il y a 86 400 secondes, 1444 minutes, 24 heures qui sont mises à notre disposition, que nous pouvons disposer comme bon nous semble, de la façon que nous le voulons. Le temps qui passe. 2016, 16 comme saisit le temps. Le fil de la vie vient de se rompre, et nous allons quitter ce monde dans la douleur. Fini. La vie est courte. La valeur, tout comme la vie, la valeur d'une allumette réside dans sa brièveté même. J'aimerais vous présenter un court vidéo qui peut-être reflète le rêve de plusieurs prédicateurs, mourir en prêchant. Malgré nos péchés, malgré peut-être une vie de faiblesse, de misère, malgré tout cela, il nous dit encore, un regard de notre part, un geste de pardon, et il est prêt à nous ouvrir son cœur pour nous établir en lui pour l'éternité bienheureuse. Merci, Seigneur. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on sait que c'est potentiellement possible. Le temps. Le temps
est gratuit, mais il est très précieux. Le temps ne t'appartient pas, mais tu peux l'utiliser. Tu ne peux pas le garder, mais tu peux le dépenser. Une fois perdu, tu ne peux jamais le récupérer. Saisis le temps pour... Saisissons le temps pour aimer les gens. La vie est trop courte. Saisissons le temps pour aimer les gens, comme Jésus aimait les gens. Comme Jésus approchait de Jéricho, verset 35, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. Et Jésus ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Dans la tradition biblique, Jéricho évoque la terre promise. Dans la tradition biblique, Jéricho évoque la terre promise. Nous sommes tous en route vers la terre promise par excellence. Nous sommes tous en route vers notre nouvelle patrie. Nous sommes tous en route vers une destination nouvelle qui est la vie éternelle en Jésus-Christ pour l'éternité. Et alors que Jésus est en direction de Jéricho, sur le bord du chemin, il y a un homme qui est dans le besoin et il a la capacité de s'arrêter pour en prendre soin parce qu'il l'aime. Il a beaucoup plus que simplement donner l'ordre, aller le chercher, qui nous renvoie aussi, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est votre mission, c'est votre raison d'être sur terre. Mais beaucoup plus qu'un ordre, il a aimé cet homme. Il a aimé la personnalité de cet homme. Et dans le fléau de nos activités, dans la folie de nos responsabilités, nous pouvons parfois oublier de saisir le temps pour aimer les autres. De saisir le temps pour aimer les gens. Et Jésus l'a fait. Voyez-vous, lorsque Jésus est venu dans ma vie, le premier impact que ça a fait, c'est que je voulais en parler à tout le monde. J'étais fou, j'étais malade. Je voulais parler de Jésus, je voulais dire à tel point que c'est vrai, à tel point c'est vivant, à tel point si tu savais. Écoute, avec le temps, je me suis calmé, je sais que ça n'a pas l'air de ça, mais je me suis calmé, un peu plus sage parce que j'ai été maladroit et je rentrais quasiment Jésus dans la gorge des gens. Là, ça, si j'avais un gun, puis ok, tu vas accepter Jésus, c'est dans ton avantage. Avec le temps, ça s'est calmé, mais il y a un feu qui s'est allumé, qui a commencé à s'allumer dès le jour où j'ai rencontré Jésus. Je n'ai pas dit il y a un feu qui brûlait dans le passé, il y a un feu qui a commencé à s'allumer et qui continue à brûler en s'intensifiant. Et lorsque j'ai découvert Jésus, eh bien, je voulais en parler à tout le monde, je voulais faire savoir qui était Jésus. On l'a crié tantôt, on l'a chanté tantôt. N'ayez pas peur de chanter, n'ayez pas peur de crier, n'ayez pas peur de proclamer, mais c'est notre raison d'être. Il y a des gens sur le bord de notre chemin qui ont besoin de notre attention. Et je veux dire merci. Merci pour tous ceux et toutes celles ici qui prenaient le temps, que ce soit pour aller en mission à Haïti, que ce soit pour investir financièrement, pour aller en Moldavie, que ce soit pour partir à Paris pour un voyage, que ce soit pour se pratiquer, pour nous permettre d'avoir un bon temps spirituel dans la louange, pratiquer nos instruments, que ce soit d'ouvrir nos bureaux, de participer à Vivre Enfin et au niveau de la relation d'aide et permettre que des gens, des vies puissent être rebâties, reconstruites. Merci pour tous ceux et toutes celles qui s'impliquaient auprès de la jeunesse, que ce soit Accès, Clic, que ce soit au stationnement. Je pourrais tous les nommer. Si vous n'avez pas été nommés, ne le prenez pas personnel. Mais j'aimerais dire merci, merci de prendre le temps d'aimer les gens, merci de prendre le temps de communiquer à ceux qui sont autour, qui est Jésus. Merci Option Rive-Nord qui prend du temps pour nourrir ces jeunes qui sont sur le bord du chemin, qui ont besoin d'avoir le ventre plein afin d'être concentrés lorsqu'ils arrivent à l'école. Merci, et il y a des besoins qui sont encore énormes. Regardez à côté de vous, il y a des chaises qui sont vides. On peut dire, oh, il y avait une première réunion, il y a une deuxième réunion. Non, non, là, il y a des chaises qui sont vides. Il y a des chaises qui ne demandent qu'à être remplies, recevoir une personne qui va s'asseoir dessus, une personne qui est brisée par la vie, une personne qui a peut-être gaspillé justement son temps, etc., mais qui a besoin de comprendre que Jésus l'aime. Nous avons un Québec à gagner. Nous avons une province à gagner. Nous avons, sans aller jusque-là, nos quartiers, nos maisons, nos voisins à gagner. J'ai dans ma vie, cette année, plus que jamais, d'une façon intentionnelle et spécifique, j'ai des objectifs et des ambitions spirituelles. Où je veux parler de Jésus à mon entourage, d'une façon intentionnelle. Je me prépare déjà pour le concert de Noël. Il y a Vendredi Saint, il y a Pâques, mais précisément, peut-être Vendredi Saint, Pâques aussi, mais je me dis, OK, l'hiver, oublie ça, l'hiver, les contacts, il peut y avoir pareil, mais ce n'est pas là que tu mises. Mais en été, je veux miser, je commence à prier. L'hiver, je prie, je sème dans la prière, afin que Dieu prépare le cœur de mes voisins, prépare le cœur de ceux avec qui je vais au gym, prépare le cœur de ceux que je rencontre régulièrement au dépanneur, que Dieu prépare leur cœur et que Dieu touche mon cœur pour me rendre sensible à leurs besoins. Je me prépare. Parce que je veux les voir à Noël ici en train de découvrir qui est Jésus. Quelle est la raison de cette saison? C'est Jésus. On a besoin. Ces gens ont besoin.
d'entendre la bonne nouvelle. Il y a un film que j'aime énormément, c'est In Time. In Time. Donc, si je serais dans une retraite jeunesse, je dirais, sérieux, ce film-là, moi, je trippe. Et le concept de ce film-là, c'est très simple. En 2070, les choses n'ont pas les mêmes qu'elles sont aujourd'hui, mais le temps est la nouvelle unité monétaire mondiale. Tout ce que tu achètes, c'est avec le temps. Nourriture, aliments, payage, l'auto, n'importe quoi. Tout ce que tu fais avec ton argent, transcris-le en temps. Et le concept est simple, c'est que chaque personne, chaque être humain, naît avec, à l'avant-bras, un compteur intégré dans l'avant-bras. Et à l'âge de 25 ans, une année est créditée. Et chaque personne, à partir de l'âge de 25 ans, doit se battre pour que le compteur ne tombe pas à zéro, comme cet homme est tombé. Et la façon de pouvoir avoir du temps, évidemment, c'est en travaillant, par des moyens de solidarité entre famille ou entre amis. Il y a un contact qui se fait, je peux te donner du temps en le volant, ça c'est moins légal, mais ça se fait, en jouant, toutes sortes de moyens. D'ailleurs, à cette époque-là, en 2070, eh bien, l'armée du salut, ce n'est pas des denrées alimentaires qu'on donnait, c'était un instrument électronique, puis on te donnait du temps. Tout est en temps. Ce film est impressionnant parce qu'à un moment donné, vous allez voir le héros du film et sa mère qui vit depuis plusieurs années, et chaque jour, ils se battent chaque année pour passer. En fait, c'est que chaque année devient l'objet d'un combat, devient l'objet d'un stress, et chaque journée, en fait. Et à un moment donné, ils ont un rendez-vous et sa mère doit prendre l'autobus pour rejoindre son fils après le travail, arrive à l'autobus, veut payer son billet. Le billet a augmenté. Ça coûte plus cher. Mais le chauffeur d'autobus ne fait pas grâce. Dis-moi, mais j'ai pour mon fils, puis j'ai pas assez à te donner. C'est tout bas, c'est le prix. T'as plus qu'à courir. Et elle se met à courir. Puis c'est loin, elle court. Son fils arrive au lieu dit pour rendez-vous, voit que sa mère n'arrive pas, comprend très vite ce qui se passe. Et pour gagner du temps, court à la rencontre de sa mère. Et là, tu vois la scène. Ils se rejoignent. Et ça se rapproche et le temps, elle arrive. Et au dernier moment, alors qu'elle arrive dans les bras de son fils, à une seconde près, il n'a pas le temps de lui communiquer son temps à lui. Elle meurt dans ses bras. Ce matin, on m'a reproché d'avoir brûlé le punch, mais il fallait voir le film avant. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Jésus est venu sur la croix, il n'est pas venu en retard. C'est précipité, c'est vrai, il n'est pas venu en retard. Et encore aujourd'hui, il y a du temps qui est disponible et tu peux mettre ta main dans la main de Jésus et recevoir l'éternité pour toujours. L'éternité pour toujours. Le temps. La particularité d'une allumette, c'est qu'elle est d'une courte durée. Elle est utile et dangereuse à la fois. Et pour avoir une allumette entre les mains, il faut un minimum de responsabilité personnelle. Minimum. Je sais que le comité d'administration me regarde, là, ils ont peur que je brûle le tapis. Notre temps est d'une courte durée. Notre vie est d'une courte durée. Nos vies peuvent, comme une allumette, être utiles ou dangereuses pour soi ou pour les autres. Je peux mettre le feu à ce décor-là avec cette allumette-là, ou je peux allumer une torche et m'éclairer dans un lieu obscur, me réchauffer, faire un feu, puis me faire à manger. Et ça prend une certaine responsabilité. Lorsqu'on est en possession du temps que nous avons, qui est mis au compte de notre vie. Saisissons le temps pour être utile et non dangereux pour soi ou pour les autres. Saisissons le temps pour aimer ceux qui sont autour de nous. Saisissons le temps, soyons responsables. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité face au temps. Le temps est gratuit, mais il est très précieux, je l'ai dit. Il ne t'appartient pas. Et la façon dont nous gérons notre temps définit la façon dont nous considérons l'éternité. On dit, oh, c'est ça, moi, je fais ce que je veux. Non. Ce temps ne nous appartient pas. Il nous est prêté.
Nous devons apprendre à gérer comme il faut ce temps. Et tous les pompiers savent qu'une des façons d'éteindre un feu, c'est d'utiliser une allumette. La stratégie est simple, c'est que pour arrêter un incendie, c'est une des stratégies selon la configuration du terrain. On brûle volontairement, intentionnellement une zone délimitée de façon à ce que le feu accidentel, lorsqu'il arrive à la zone dite, n'a plus rien à brûler. Pouf, s'éteint tout seul. Parfois, on n'arrive pas à gérer notre temps, mais parfois, ça vaut la peine de perdre du temps, de brûler du temps pour en gagner plus tard. On appelle ça de la planification. On planifie, on le fait tous. Mais à chaque début d'année, on fait un bilan. On devrait développer cette habitude de le faire chaque semaine, chaque soir, en un mot, plus régulièrement, de façon à anticiper. Nous sommes appelés à Dieu est le maître du temps et Dieu nous appelle à maîtriser le temps parce que si nous ne maîtrisons pas le temps, c'est lui qui nous maîtrise. À le mettre dans nos agendas parce que si nous n'avons pas de place dans nos agendas, quelqu'un d'autre prendra la place du vide qui est là. Tout vide est appelé à être occupé par quelque chose, c'est une loi naturelle. Alors, ça se planifie de parler à nos voisins, à nos amis, d'aimer nos voisins. Ça se planifie, la prière se planifie, la lecture de la Bible se planifie. Et pour ça, on veut planifier à l'avance, brûler du temps, perdre du temps pour réfléchir, comment je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette semaine, dans ta semaine, où tu peux, même cette semaine, la première semaine la prochaine semaine qui est devant nous, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux couper à quelque part? Peut-être que c'est trop longtemps sur Facebook, trop longtemps sur des jeux, trop longtemps à la télé, trop longtemps avec des relations qui ne t'apportent rien, c'est inutile. Je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises personnes, mais est-ce qu'il y a moyen de maximiser? Est-ce qu'on peut penser de... Et si nous sommes en mesure de le faire pour une semaine, on peut faire pour deux, et ainsi de suite, on arrive à un mois qui est traversé. Un mois, c'est possible, ok, on arrive à deux mois, trois mois, et on traverse l'année, et on réalise que notre temps a vraiment été productif et maximisé pour la gloire et la raison pour laquelle nous sommes sur terre, pour la gloire de Jésus et la raison pour laquelle nous sommes ici-bas. Saisissons le temps pour aimer notre prochain. Saisissons le temps pour arrêter Jésus. Nous devons devenir des gauleurs professionnels à arrêter la présence de Jésus. Tu ne passeras pas. Jésus, tu ne passeras pas sans que tu t'arrêtes devant moi. Arrête, aie pitié de moi, fils de David. Soyons de ceux qui, à Jésus, faut que je t'arrête. J'attire ton attention, j'ai besoin de toi. Oh, je suis là. Avez-vous remarqué que lorsqu'il a commencé à crier, on lui a dit, tais-toi. Peut-être parce qu'il était infirme, puis il dit, tu vas ralentir le groupe, tu sais, avec sa canne, parce qu'il est aveugle. Peut-être qu'ils se sont dit, Jésus est trop important pour un infirme. Je ne sais pas c'est quoi, ce qui leur a passé par la tête pour dire, tais-toi. Pourquoi est-ce que lui n'aurait pas le droit d'être dans la foule comme eux, avec Jésus, comme eux, il l'était? Ah, tais-toi! Regardez sa réaction. Il cria de plus belle, il cria plus fort. C'est drôle comme, aussitôt que tu veux manger bien, là, tu veux manger de bonne santé, là, tu vas dans le supermarché, la nourriture qui est bonne pour la santé est toujours plus chère. Aussitôt qu'on a des priorités, des objectifs d'une valeur plus importante que la norme, il y a quelque chose qui s'en vient dans les rayons du vélo, dans les rayons du temps pour nous empêcher, pour nous arrêter. Ne te laisse pas arrêter. Peut-être que tu es sur le bord du chemin aujourd'hui, tu dis « Ouais, mais moi, je ne mérite pas. » Non, crie plus fort à Jésus, parce que dans quelques minutes, nous allons saisir le temps afin de nous laisser saisir par Jésus. Crie d'autant plus fort. Cet homme est infirme. N'attendons pas d'être sur le lit d'un hôpital pour commencer à crier à Jésus. N'attendons pas d'être au bout du rouleau pour crier à Jésus. Et si tu l'es, crie pareil. Mais à tous ceux et celles qui sont en bonne santé, et lorsque tu vas redevenir en bonne santé, parce que tu vas redevenir en bonne santé, je le crois, eh bien, ne saisis l'occasion pour arrêter Jésus dans ta semaine, dans nos journées. Et lorsque Jésus se révèle, va ordonner, amenez-le-moi. Jésus a fait beaucoup plus que lui ouvrir la vue, il lui a ouvert le ciel. Jésus a fait plus que le guérir physiquement, il lui a ouvert le ciel. Et cet homme-là, j'aime sa réponse parce qu'il dit, fais que je vois. Moi, je ne veux pas dépendre d'un chèque, je ne veux pas juste un toit, je ne veux pas juste de la nourriture, je ne veux pas juste un cercle d'amis, je veux voir. J'ai entendu parler, je veux voir. Plusieurs, vous avez entendu parler de l'Église, de ce que Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, je vous encourage à vouloir voir, à ouvrir les volets de ton cœur pour voir qui est Jésus. Je veux voir. Il se responsabilise. Et là, c'est écrit, hein? «
tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi. En fait, c'est quoi qui arrête Jésus? C'est la foi. Ce n'est pas parce que tu cries fort, tu cries beaucoup, c'est ta foi. Son deuxième cri, qui était plus fort que le premier, ne faisait que démontrer sa foi. Et Dieu recherche la foi. Dieu ne répond pas à tes besoins, il répond à la foi que tu as dans sa capacité à répondre à tes besoins. Tu as eu la foi, maintenant tu vois, tu es guéri. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Moi, je l'imagine pour nous aujourd'hui, volontairement. Ça veut dire qu'à partir de là, il a une responsabilité à gérer son temps parce qu'il marche derrière Jésus. Jésus est son guide. Il marche pour Jésus, il travaille pour Jésus. Alors, il ne peut pas faire n'importe quoi avec son temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de vie. C'est-à-dire qu'il faut juste réaliser la brièveté de notre vie. La vie est trop courte, ce qui la rend d'autant plus précieuse. Il suivit Jésus. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Vous voyez, dans le film que je vous disais, In Time, si on avait cette philosophie-là, là, celle que je vais vous dire en une phrase, nos vies changeraient radicalement, nos priorités changeraient radicalement. Si la philosophie que nous avons, c'est que chaque minute perdue est une vie qui meurt entre nos mains. Oh! Je sais que c'est intense comme réflexion, mais des fois, on est tellement pris. Comment est-ce qu'on vivrait si tout d'un coup, on réalise que chaque minute, le temps qui m'est donné, et pour toucher des gens, pour aimer les gens et pour arrêter Jésus. À l'intérieur, après ça, il y a plein de choses qui vont se greffer. Là, la vie continue. Puis, oh, ça change. Ça change nos priorités. On ne recommence pas le lundi matin avec la même optique. On ne se couche pas le soir avec la même optique. Chaque minute perdue est une vie. Chaque minute gaspillée est une vie perdue. Et nous sommes appelés à mettre notre temps au service de notre Dieu. La vie chrétienne, c'est une course à relais qui a démarré depuis l'arrivée de Christ. Passer au suivant. Jésus est venu sur la terre, il a donné sa vie sur la croix pour chacun et chacune d'entre nous. Et ceux et celles qui veulent le suivre, reçoivent le flambeau, courent. On voit quelqu'un sur le bord du chemin qui a faim, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit qui est brisé et court, tiens le flambeau. Et lui va suivre Jésus, pareil, voit quelqu'un sur le bord du chemin et court. En direction de Jéricho, en direction de la terre promise, nous avons une année devant nous. Nous avons un compteur qui nous a été donné, un temps qui nous est donné. Nous avons en plus des marqueurs de temps que nous avons, que nous connaissons à l'intérieur de 24 heures de temps. Nous avons l'éternité qui nous est offerte. Et notre gestion de notre temps ici-bas, si nous la méprisons, signifie que nous ne considérons pas le temps, le trésor que nous avons dans l'éternité qui nous est offerte. Prenons un temps pour saisir et arrêter Jésus. Que veux-tu que je te fasse? Je repose la question. On va aller dans la louange. Volontairement, ce message est plus court. Volontairement, j'ai pris la stratégie de ces pompiers qui brûlent du temps pour en gagner ailleurs. Alors, je veux brûler, perdre du temps dans la prédication pour en gagner dans la présence de Dieu aujourd'hui. On pourrait parler pendant des minutes sur la gestion du temps, éventuellement, peut-être un jour, mais aujourd'hui, alors que nous sommes à la ligne, le 31 janvier 2016, 16 comme saisis le temps. Saisis le temps pour aimer, saisis le temps pour arrêter Jésus, saisis le temps pour prier, saisis le temps pour investir, saisis le temps, on est à la ligne, je vais prendre le temps. Et on pourrait parler pendant des minutes, des heures encore, mais ce que nous avons besoin, ce n'est pas que je parle pendant des heures, c'est d'entendre le cœur de notre Dieu ce matin. Et tu as des besoins, tu es peut-être sur le bord, tu es peut-être en chemin, c'est difficile, mais il n'y a personne ici dans ce lieu qui n'a pas besoin de dire « j'ai besoin de toi Jésus ». Du pasteur au nouveau venu aujourd'hui, de l'étranger au citoyen, du jeune à l'âgé, il n'y a personne dans ce lieu qui peut dire « Oh non, moi, je n'ai pas besoin de crier à Jésus. » C'est pas vrai, tu as besoin de crier à Jésus. Alors crie à Jésus, arrête Jésus sur le chemin de ta vie et saisis-toi de lui. Accueillons-le, commençons à le louer. Louons-le, louons celui qui nous a sauvés. Le texte nous dit,
En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit à louer Dieu. Et je vois ici une foule d'hommes et de femmes qui étaient dans la noirceur, dans les ténèbres, dans la dépendance. Et aujourd'hui, c'est le temps de louer le Seigneur. 2016, nous voici au nom de Jésus.